tous. Enfin, aujourd'hui, je devrais vous dire hola, qué tal, car nous allons faire de très belles échappées belles dans une région espagnole. Un voyage entre terre et mer dans une région qui se donne, dit-on, des petits airs de Bretagne. Il s'agit de la Galice. Alors, si j'ai mon sac à dos, mon bâton et mes chaussures de rando, c'est parce que ce voyage commence à Saint-Jacques-de-Compostelle. Avec Victoria, nous apprendrons à ramasser des coquillages, des histoires de femmes que ces mariscadoras, comme on les appelle, nous raconteront. C'est avec une Française expatriée, Léa, que nous profiterons des paysages de la Corogne et des rives de l'Atlantique. Une ville en pleine effervescence qui se livrera à nous en ce jour de la fête de la Saint-Jean. Les légendes galiciennes n'auront plus de secrets pour nous. Ils sont sauvages et racés, je veux bien sûr parler des chevaux qui entretiennent une relation particulière avec l'homme. Tous les deux, ils se livrent à un véritable corps à corps lors de la rapa d'Asbestas. Nous y assisterons. Pour l'heure, je suis ici sur le Mongoso. C'est un peu le mont de la joie hein, pour les pèlerins qui arrivent jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle et qui terminent leur randonnée. Saint-Jacques, on y va, c'est juste en face, on aperçoit même la cathédrale. Hola Sébastien. Hola Claude. Que tal? Bienvenue à Saint-Jacques, Sophie. Oh bah merci, c'est gentil. Ce sont mes premiers pas en plus à Santiago, à Saint-Jacques-de-Compostelle. Alors Sébastien, est-ce que tu es un vrai Santaguiense, un habitant de Saint-Jacques-de-Compostelle? Non, nací. Non, je suis né à Viña del Mar, au Chili. Ça fait tellement de temps que je vis ici que je me sens galicien et saint-jacquien d'adoption. Et pourquoi tu as choisi cette ville alors? C'est une ville que j'ai immédiatement adorée. Je m'y suis fait des amis. Il y a une vie universitaire et culturelle très riche. C'est une ville qui respire la tranquillité. Qu'est-ce que tu fais exactement ici à Saint-Jacques? Je suis professeur de musique. Je dirige des chorales du troisième âge et un atelier de musicothérapie. Alors là, on arrive à un endroit important. Le Parador des anciens rois catholiques. À l'époque, c'était un hôpital. Et maintenant, c'est un des hôtels les plus importants de Saint-Jacques. Nous voici dans le couvent des rois catholiques. Ici, on avait pour habitude d'offrir le couvert aux 10 premiers pèlerins de la journée. C'était gratuit. Non. Mince, on n'est pas arrivé dans les premiers, c'est dommage. Alors c'était qui ce Saint-Jacques qui a donné son nom à la ville? C'était un apôtre très apprécié en Espagne. Et c'est pour ça qu'il a donné son nom à la ville. Pardon, excusez-moi de vous embêter. Je vois que vous vous êtes rajouté du poids là sur votre sac à dos. Oui, oui. On m'offre souvent des pins sur le chemin. Tiens, prends celui-ci. Oh, il est mignon celui-là. Oh, bah, c'est adorable. Photo, Julie, photo. Tu peux vous embrasser? Merci beaucoup, muchas gracias. Très gentil, merci beaucoup. Au cœur de la Galice, on entend souvent des bruits de pas. Dis donc, regarde ces champs de maïs, c'est énorme, hein. Il y a des surfaces de plantées là.
rejoindre Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est l'objectif de ces quatre Français. Des heures de marche à 4 km par heure. Et parfois, quelques détours. Regarde là, le pied digital. Waouh, on va te piquer les jambes. Non, 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 mais regarde. Est très belle. Hein. Ouais, ça ne l'accueille pas. Il y a des petites gouttes d'eau rosée en plus sur les doigts. On a l'occasion justement de voir une diversité de paysages et en même temps de voir un petit peu le mode de vie des gens, l'habitat. On peut prendre des petits sentiers qu'on ne peut pas prendre avec une voiture. Ouais, c'est ça. On peut faire des détours pour voir une chapelle, pour voir des plantes. J'ai les doigts de pied un peu en compote. Marcher jusqu'à s'en abîmer les pieds et voir Compostelle. Chaque année, en Galice, ils sont plus de 200 000 à marcher vers la ville sainte. Une farandole humaine qui irrigue le centre de la région. Un afflux de pèlerins qui profite à ceux qui restent au bord du chemin. Un coca, une bière, sans glace, et limon. Avec du citron. Augustine est restaurateur à Porto Marine. Une étape importante sur le chemin. Voilà 15 ans qu'il accueille des pèlerins. Mayonnaise pour la salade et une cuillère. Bon appétit. Le village compte 500 habitants. Et les pèlerins, en juillet et en août, on peut en avoir jusqu'à 3 ou 4 000 par jour. Quand ils arrivent, ils ont faim, ils ont soif et ils ont surtout l'envie de se reposer. Et ça, c'est ce que nous leur offrons. À Porto Marine, Santiago veille sur les hommes du chemin. Dans les montagnes, au cœur de la région, les pèlerins ont parfois provoqué quelques miracles. Perdu dans les brumes, Osebrero revit grâce au chemin. Ici, on accueille avec bonheur les offrandes de ces curieux envahisseurs. Je vous souhaite une très bonne route. Vous savez, les Français nous ont attaqués ici, à l'époque de Napoléon. Ils nous ont brûlés. Il faut oublier. Non. Le Christ a dit, il faut pardonner. Le père José est prêtre à l'église d'Osebrero. L'hiver, il y a toujours de la brume par ici. En 20 ans, il a vu les pèlerins sauver son village. Beaucoup de villageois avaient déjà commencé à émigrer. Quand le chemin est revenu dans l'air du temps, ceux qui sont restés se sont rendus compte qu'ils pouvaient monter un petit café, un petit magasin de souvenirs, ou bien louer leur maison pour accueillir les pèlerins. À Osebrero, les marcheurs s'évanouissent vite dans la nature. Car ils n'ont qu'une idée en tête, atteindre Saint-Jacques-de-Compostelle. Gracias, Santiago. Nos quatre marcheurs français entrent enfin dans la ville sainte. C'est un grand soulagement. Il y a des moments, on avait pas mal de peine à avancer, mais bon, on avait décidé d'y aller. Donc nous voilà, maintenant on est vraiment là, au bout du chemin. La tuna, c'est une tradition datant du XVIe siècle, qui est originaire de Saint-Jacques.
Et ça, c'était le costume traditionnel des étudiants du XVIIe siècle. Et ce que l'on joue sont des chansons traditionnelles espagnoles, typiques de la péninsule de Saint-Jacques. Aujourd'hui, c'est une messe qui est importante. Oui, aujourd'hui, il y a beaucoup de pèlerins. En plus, aujourd'hui, c'est dimanche. C'est une messe importante. Tu sais, pour les pèlerins qui empruntent le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est pas forcément une démarche spirituelle. Et pourtant, j'ai l'impression qu'ici, tout le monde se retrouve. C'est un moment de communion pour tous. Une messe dans la cathédrale de Saint-Jacques est vraiment un moment de communion où les pèlerins se réunissent et échangent sur le trajet qu'ils ont suivi. L'encensoir est un symbole très impressionnant de la cathédrale. Maintenant, les tireurs vont l'élever en tirant sur 8 cordes. La fumée qu'il libère est un symbole de pureté qui nous met en contact avec Dieu. Ça donne un peu la chair de poule. C'était très beau cette messe, hein, vraiment. Dis-moi Sébastien, est-ce que pour toi Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est la fin du chemin ? Non, le chemin ne se termine pas à Saint-Jacques. Il s'arrête à Fisteras. Je te dis au revoir pour que tu puisses le terminer d'ailleurs. D'accord, bah écoute, je vais suivre ton conseil. En tout cas, merci beaucoup. De rien. Adios. Adios, ciao.
Hola, que tal? Excusez-moi de vous déranger. Je peux juste vous demander ce que vous êtes en train de faire? J'avais trois paires de chaussettes et je les ai portées tout le long du chemin. Au lieu de les rapporter chez moi ou de les jeter, je les brûle. C'est une meilleure fin que de finir à la poubelle. Elles se sont envolées au loin. Les abords du Cap Finistère portent un nom évocateur. La côte de la mort. Pour moi, c'est le meilleur de la Galice. Ce paysage te calme, t'apaise l'âme, comme on dit ici. Mais d'un autre côté, il fait peur. C'est effrayant de penser à l'immensité de l'océan et aux risques qu'il te fait courir. David est archéologue, spécialiste des catastrophes maritimes. De tout temps, les côtes de Galice ont porté malheur aux marins qui s'en sont trop rapprochés. Parsemées de roches, battues par les vents, elles portent les stigmates des catastrophes récentes et des drames du passé. Entre cette pointe et cette pointe là-bas, on a la preuve de dizaines et de dizaines de naufrages. Et c'est seulement sur les deux ou trois derniers siècles. Alors imaginez sur les 17 siècles précédents combien de bateaux ont sombré ici. Pour trouver les traces de ces naufrages et en raconter l'histoire, il faut quitter la terre ferme. C'est là-bas ? Non, non, ça ressemble plutôt à la pointe là-bas. Aujourd'hui, David et Nacho, son équipier, sont en mission. On va voir si on peut pointer sur une carte les groupes de canons qu'on a repérés. Ceux de l'Hermine. L'Hermine, c'est une frégate française du XVIIIe siècle. Le navire a sombré à la Ria de Vigo. Tu pourras me jeter les bouteilles ? Les archéologues vont se plonger dans son histoire. Entre le phare et la pointe qu'on voit là-bas, c'est une zone avec peu de profondeur et beaucoup de rochers. La frégate entrait dans la Ria. Elle a percuté une roche et a coulé. Pendant près d'une heure, dans une eau à 12 degrés, les archéologues vont s'offrir un voyage dans le temps. Par 10 mètres de fond, ils vont ausculter les restes du naufrage. Et pour eux, ces canons et ces coques racontent bien plus qu'un simple drame. C'est sûr, c'est un côté romantique. Pour tout ce que peut évoquer une épave, c'est un voyage dans le temps. Mais surtout, c'est ce qu'il reste de notre identité, de notre culture. Toutes ces relations humaines, commerciales entre des pays et des continents totalement différents sont restées ici, figées dans le temps. Les archéologues n'ont pas fini de plonger. La Galice regorge de secrets. La région est un carrefour des échanges depuis l'époque romaine. Je crois qu'on a conservé la forme. C'est très bien. Elle était vraiment cassée, hein. C'est du bon boulot. Au musée de Vigo, c'est cette histoire que nos archéologues tentent de réécrire. Ça, c'est une petite amphore. Une pièce de céramique
qui sert au rangement. C'est une petite pièce banale de chargement. Mais elle va nous permettre de dire que le monde est passé du monde médiéval, qui était concentré en Europe, autour de la Méditerranée, à une dimension mondiale, globalisée. Dans cette pièce, ils amassent et restaurent le butin de leur plongée. Des objets sauvés des eaux qu'ils aimeraient un jour remettre en lumière. Les gens vont à la plage, mais ils ne savent pas tout ce qu'on peut trouver sous l'eau. Ces plages, ça fait vraiment partie du charme de la ville, hein ? Oui, c'est vraiment très sympa. La Corogne, c'est à vélo que j'ai eu envie de la découvrir, ma chère Léa, avec toi, une expatriée française. Est-ce qu'on peut dire que tu es tombée sous le charme de la Corogne ? Bah, exactement. Ouais ? Voilà. Je suis arrivée ici comme fille au père et donc, au bout de 2 mois de séjour ici, j'ai voulu rester. Ouais. C'est déjà le coup de foudre, quoi. On dit toujours qu'un ami galicien, une fois que tu te l'es fait, tu l'as pour toute la vie. Oui. Mais que c'est compliqué de... C'est des gens pas forcément très ouverts au départ. Et puis il y a cette ouverture sur l'océan Atlantique hein, qui fait de la Corogne une ville exceptionnelle. Oui, j'y réfléchissais et je me suis dit que c'est peut-être pour ça qu'il y a autant de Galiciens qui ont émigré en fait. C'est ça, on a toujours envie d'aller voir ce qui se passe un petit peu plus loin. Hein. Oui. Ce que j'aime particulièrement dans cette ville, c'est vraiment son architecture, hein, qui est très particulière. Oui, c'est très joli. Ça s'appelle les galerías. Ce qu'on voit là. Hein. Voilà, c'est ça. Ouais. Et en fait, ça fonctionne comme une serre. C'est le début de l'architecture bioclimatique. Ça te rafraîchit en été et ça te réchauffe en hiver. Ça fait comme une espèce de sas d'air pour éviter d'avoir trop chaud ou trop froid. Hein. Tu vas retrouver beaucoup dans la vieille ville, hein, des petites ambiances comme ça, des petites places avec des pavés partout, une croix au centre, voilà. Et c'est pour ça que ça me plaît, c'est vraiment les arbres autour, la rosace, la couleur blanche des pierres. Le soir, c'est vraiment, c'est tout animé, c'est sympa. Alors justement, moi je suis surprise par le calme qui règne. Oui. C'est un peu le calme avant la tempête quand même. Hein. C'est exactement ce que j'allais te dire, c'est ça, tout le monde se repose avant de préparer réellement la fête de la Saint-Jean. On est sur la place de la mairie, la place de Maria Pita. C'est elle, je te Elle est là, la voilà. Salut Maria. C'est un peu la Jeanne d'Arc de la Corogne en fait. Pendant au XVIe siècle, la ville de la Corogne a été attaquée par les Anglais. Et la lutte devenait vraiment difficile et ça devenait vraiment très compliqué pour les gens de la ville de réussir à vraiment faire fuir les Anglais. Et Maria Pita, une héroïne de la ville, s'est levée et d'un coup de lance, elle a enfin réussi à tuer le général qui dirigeait les troupes. Elle a libéré un peu la Corogne. Voilà, donc, hein, comme on voit écrit, liberté, c'est la sauveuse de la ville en fait. Voilà, tu vois, on arrive à la tour d'Hercule. Et j'aime vraiment venir ici, c'est vraiment super tranquille, c'est très serein. On va pouvoir grimper là-haut, tu penses ? Oui.
Ce phare, c'est un des plus vieux phares romains au monde encore en activité. Ouais. Et on retrouve donc tout ce qui est romain, c'est surtout dans les fondations qu'on retrouve au pied de la tour. Tout le reste, c'est toute la restauration qui a été faite. Les marques qu'on retrouve autour de la tour, ça représente en fait l'emplacement de l'ancien escalier pour acheminer le combustible jusqu'à la lampe. Alors la rose des vents qu'on aperçoit là en bas, c'est quoi exactement? Ça représente quoi? C'est une des œuvres d'art qui ont été construites tout autour de la tour pour la rendre un peu plus touristique et que ce soit pas simplement le phare en lui-même. Tous les symboles, ce sont tous les symboles de chaque pays celte en réalité. Donc la Bretagne, le Pays de Galles, l'Irlande, l'île de Man, voilà. Et la Galice, bien sûr. Et la Galice, oui, avec la coquille Saint-Jacques. Et la tête de mort qu'on voit, ça symbolise le géant Rhaerion, en fait. Et l'histoire de ce géant, c'est une légende d'ici. Il terrorisait la ville de La Corogne. Et est arrivé Hercule, qui lui a coupé la tête. Il lui a enterré la tête au pied de la tour et a demandé à ce qu'on construise la tour d'Hercule en mémoire de sa gloire. À l'extrême nord de l'Espagne, la Galice est imprégnée par la culture celte. Chaque week-end, la musique traditionnelle résonne aux quatre coins de la région. On danse au son de la gaïta, une cornemuse espagnole qui fait la fierté des Galiciens. La gaïta, c'est nos racines. Elle représente les traditions de nos ancêtres, de nos grands-pères. C'est très important de maintenir cette culture vivante et que ne meure jamais ce folklore. En Galice, la gaïta, ce n'est pas que du folklore. À deux pas de la Corogne, sur la côte, un petit atelier attire les meilleurs joueurs du pays. Álvaro Seiván, c'est un peu le Stradivarius de la gaïta. Cela fait plus de 30 ans qu'il aide les musiciens à trouver le meilleur son. Je vais le resserrer un peu. On est en train de faire les derniers ajustements. Le son de la gaïta dépend beaucoup de la pression qu'exerce le musicien avec son bras. Donc on essaye à chaque fois de les personnaliser pour qu'elles soient à leur goût. Álvaro est le descendant d'une lignée de constructeurs de gaïta. Il faut le raboter un peu par là. Depuis 75 ans, les Seiván façonnent à la main, pièce par pièce, des milliers d'instruments qui s'exportent bien au-delà des frontières de la Galice. Pour tous les gens qui travaillent ici, c'est la même chose. Notre travail et nos loisirs ne font qu'un. C'est la gaïta. Ça a ses avantages et ses inconvénients aussi. Parce qu'en fait, on pense tout le temps à la gaïta. Dans la famille, on a l'obsession de la gaïta. L'instrument s'invite même dans les fêtes de famille. On va jouer la chanson de Paulinho. Mais rappelle-toi qu'il ne faut pas être en avance. Il faut prendre son temps. Pour Álvaro, les repas dominicaux sont l'occasion de transmettre son savoir-faire. À 6 ans, Braïs, le petit dernier, est déjà un musicien accompli. On en est déjà à 3 générations. Avec lui, on entre dans la 4e. De voir qu'il fait ça avec tant de cœur et tant de passion, c'est super. C'est très important car pour devenir un bon constructeur de gaïta, il faut commencer tout petit. Il faut bien connaître le travail. Chez les Seiván, la relève semble assurée. En Galice, les gaïtas ont de beaux jours devant elles.
Sophie, il faut que je te montre quelque chose. Tu vois toutes les petites plantes là-bas? Oui. Bon, il faut qu'on aille en acheter, c'est pour la Saint-Jean. Très bien. Prenez celui que vous voulez. Celui-là. Pourquoi il faut acheter ces bouquets pour la Saint-Jean? C'est une tradition millénaire. Ce sont des branches de plantes médicinales, aromatiques et magiques. Il faut les mettre dans l'eau ce soir, avant minuit. Et demain matin, tu dois te laver avec cette eau qui va te purifier. Et toi, tu prends lequel? Je prends celui-là. Gracias, muchas gracias. Portez-vous bien. De la Saint-Jean, ça se passe comment? Racontez-moi un peu. Tout d'abord, on va chercher du bois. Et après, on va à la plage et on commence à préparer du feu. On regarde les feux d'artifice et on mange des sardines. C'est sur la plage que ça se passe. Tout le monde se retrouve là-bas. C'est quoi en réalité cette tradition de la fête de la Saint-Jean? C'est le début de l'été et pour les jeunes, c'est juste une bonne raison de faire la fête. C'est très simple. Tu vois, il y a du monde. Je t'ai dit que c'était la fête. Ah oui, c'est sûr. C'est une chorale d'enfants et d'adolescents. Cela fait une douzaine d'années que l'on travaille ensemble pour monter notre répertoire. Nous chantons à l'opéra et lorsqu'il y a des événements importants. Nous sommes une chorale reconnue dans la ville. Qu'est-ce que ça représente exactement, la fête de la Saint-Jean? C'est une fête d'origine païenne. Cette fête remonte à l'époque des Celtes. La nuit de la Saint-Jean, c'est le solstice d'été. C'est donc une nuit magique. La tradition ici, c'est de brûler tout ce qui est vieux, les mauvaises choses, pour faire renaître toutes les bonnes choses. Muchas gracias. Bon, les amis, je trouve qu'on a vraiment de la concurrence là autour de nous. Vous croyez que c'est avec 5 cagettes qu'on va pouvoir faire un feu de la Saint-Jean? Hein, les gars? Si, si, ça suffit pour sauter. Juste pour sauter le feu. Pourquoi il faut sauter le feu? Parce que c'est une tradition pour avoir de la chance. L'objectif, c'est de sauter un nombre à pair. Une fois que tu as sauté, tu fais un vœu. Ah, d'accord. Voilà. On n'arrête plus. J'espère que ton vœu va se réaliser, ma belle. Oui, ah, c'est super. En tout cas, merci de m'avoir fait découvrir la fête de la Saint-Jean. De rien, de il y a une super ambiance. J'adore. Hey hey
Laisse-le partir, celui-là. En plein cœur de la Galice, un autre rite dure depuis l'âge de bronze. C'est un jeune, on le marque. Chaque année, au début de l'été, hommes et chevaux s'affrontent dans un combat acharné. Une lutte au corps à corps, la rapade asbestas. On doit être plus que des hommes. Pour comprendre cette tradition séculaire, il faut visiter cette terre sauvage. On va voir où ils sont. Moïse et Adrian sont éleveurs de chevaux. Un métier traditionnel, unique, puisque leurs troupeaux vivent en liberté sur un immense territoire. J'en vois quelques-uns là-bas, en face. Ces chevaux, ce sont des chevaux sauvages. Ils sont là toute l'année, en liberté. Personne ne peut les toucher, les attraper ou les monter. Moïse est modeste. On va aller par là-bas et on va les prendre à revers par le haut. Car avec Adrian, il sait comment les attraper. Sa famille possède près de 200 chevaux sauvages. Cours ! Cours ! Ils vont t'échapper ! Des bêtes vendues pour leur viande que Moïse a appris à approcher et à apprivoiser. Car pour lui, comme pour les éleveurs des collines, ces chevaux sont une richesse qu'il faut protéger. Ça, ce sont les petits de cette jument et de ce cheval. Tous les jours, je vais dans les collines. J'observe les chevaux, je regarde s'ils vont bien. Ils mangent que de la bonne herbe. Ils ne boivent pas n'importe où aussi. Ils n'ont pas de barrière. Rien, à l'air libre. Ça, c'est respirer l'air pur et dur. C'est enfin le grand jour. Une fois par an, les éleveurs des collines rassemblent leurs chevaux. Une tradition incontournable. On vient de toute la région pour assister à l'événement. On va sortir les petits. Vas-y, sors-les. Face aux chevaux affolés, les hommes se préparent au combat. L'objectif de la journée est simple. Il faut marquer les chevaux de l'année. On va attraper les plus grands avec une corde et les faire tomber. Mais avant d'y parvenir, encore faut-il les maîtriser. C'est super dur. Ils sont hyper puissants. C'est la petite velue. Oui, celle-là. Pour nous, c'est une tradition, un sport. C'est quelque chose qui est en nous. On vit pour ça. On aimerait que ça continue et l'apprendre à nos enfants. Si bien sûr un jour on en a. Les chevaux sont marqués, ils seront identifiables. Va par là, bloque-les. Mais avant de les relâcher, Moïse aimerait les bichonner. Je leur coupe la crinière. Ils seront plus frais pour passer l'été. Un travail de coiffeur, ou plutôt d'équilibriste. L'activité n'est pas sans danger. J'ai pris un coup sur la jambe et sur le visage aussi. Ça a tapé fort. J'adore ce contact direct avec le cheval. Quand on l'attrape et qu'il nous donne des coups, c'est quelque chose de naturel que tu vis, qui te remplit le cœur. Sans ça, moi je ne pourrais pas vivre. Allez, arrête. Cette année encore, les hommes ont dompté les bêtes.
histoire de se prouver encore une fois qu'ils ont leur place dans cette terre sauvage. Un petit peu en retard là, hein. Je vois qu'il y a déjà du monde sur la plage, c'est marée basse aujourd'hui. Qui on va retrouver là? Sur cette plage, on se connaît toutes. Bien sûr, on a toujours plus d'affinités avec certaines, mais là on va faire la connaissance de Marisol, qui ramasse déjà les coques. Et comment ça se passe, Victoria? Chacun à son coin? Non, tu peux aller où tu veux. D'accord. Bonjour Marisol, t'as déjà rempli la moitié? Oui, à peu près. C'est déjà pas mal. Oui, elle est là depuis 2 heures et regarde toutes les coques déjà. Bon, tu m'expliques comment faut faire? Je vais te donner un coup de main. On travaille comme ça. On fait comme ça, regarde. Il faut que tu penches plus ton dos et que tu descendes ta main là. Cette main plus bas et enfonce plus le râteau. Ah oui, du coup c'est plus dur. Ça fait comme une piscine tout autour. T'as commencé à travailler à quel âge, toi, Victoria? Depuis mes 9 ans. À l'âge de 9 ans? Oui, 9 ans. C'était normal à l'époque. C'était normal car quand ta mère était Mariscadora, tu devenais Mariscadora. Adios! Et c'est pas évident, dis donc. C'est un travail très pénible. Regarde. Celles-là sont ordinaires. D'accord. Et celles-ci sont fines. Elles ont l'air identiques, mais elles ne le sont pas. Celles-ci sont de meilleure qualité. Pourquoi? Tu vois, celles-ci sont plus marquées. La coque est plus grosse, comme si le coquillage était plus ouvert. Alors que les fines sont plus lisses, avec les rainures moins prononcées, et elles sont meilleures. Plus douces. C'est pareil qu'entre toi et moi. Toi, tu es la belle jeune femme, c'est ça la différence. Tu vois, c'est ça les coques. Mais tu restes un très joli coquillage. Mais dis-moi, je vois pas beaucoup d'hommes là, ils sont où les hommes? Sur cette plage, il n'y en a que 5. Sur combien de femmes? On est 200 femmes pour 5 hommes. Normalement, les hommes ramassent les coquillages en bateau. Avant, les femmes devaient faire leur travail ici, et en plus de ça, elles devaient s'occuper de la maison. Mais ça ne suffisait pas pour faire bouillir la marmite. Donc les hommes vont en mer, et nous à pied. Victoria, c'est quand même un métier difficile, hein, et quand même très exigeant. Mais tu m'as l'air en pleine forme. C'est quoi ton secret? Mon secret, c'est le même que pour tous les métiers. J'aime le faire. Il n'y a pas de secret, il faut aimer ce que l'on fait. Un jour, j'ai pris des vacances, mais je suis revenue au bout de 3 jours. Parce que j'étais dans les terres, donc je ne voyais plus la mer. Je me suis dit, il faut que je rentre à la maison. Oui, elle te manque la mer quand elle est là. Oui, la mer me manque beaucoup. On peut changer d'endroit si tu veux. Ah bah ouais, moi c'est toi le chef. Allons plus bas. À plus tard, Marisol. Merci, Marisol. À plus tard. El dolor es fuerte y lo soporto porque sigo pensando en tu amor. Présente-moi tes copines, ouais. Il y a Sonia, Rosa et Monica. Voici Rosa. Ça va, Rosa, là? Est-ce que c'est vous que j'entendais chanter tout à l'heure? Vous m'avez entendu chanter? Je chante sans arrêt toute la journée. Oh, je chante, mais elle aussi. Ah bon? Tu m'as caché ça. Et elle chante pas mal. Mais pas aussi bien que moi. D'autres choses, oui, mais pas ça. Et toi non plus. Mais Rosa, j'ai envie de vous entendre maintenant. Ah, un peu d'amour. Siempre. Quiéreme siempre. Tanto. Como yo a ti, nunca, nunca me olvides. Quiéreme siempre, dame tu amor. Cuando
beso tu boca. Nada, nada es mejor. Ahora, voilà, je peux pas chanter plus. Elle est trop émue. Ce sont toutes les chansons de notre jeunesse. On y va. Qu'on reste ou pas, on ne va rien ramasser de plus. Voilà mon mari, Ray. Ravi de vous rencontrer. Alors, qu'est-ce que vous allez faire tous les deux pour la retraite? Ma femme et moi, on aime les mêmes choses. On aidera peut-être un peu lorsque les bateaux rentreront de la pêche. Mais bon... C'est sûr, il y a toujours quelque chose à faire. Hein. Ah, ah, les voilà les coques. Muy bien, ah. Muy bien. Tout simple. Je vois que vous les aimez toujours autant. Hein. Voilà, au naturel. Non. Chers amis, à votre santé. Et je trouve que ces coques ont une saveur particulière maintenant que je vous connais, maintenant que je vous ai vu travailler. Elles sont encore meilleures. Ouais. Et certaines, tu les as ramassées de tes propres mains. Salut. 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 Ouais. À vous. La Galice est une terre de marins. À Boueux, dans les Rias Basses, les pêcheurs se sont spécialisés dans la traque d'un des symboles de la région. C'est ici, les gars. C'est le début de la saison pour Eusebio et son équipage. On va jeter les nasses, on verra bien ce que l'on va attraper aujourd'hui. Ce n'est pas toujours évident. Parfois, on pense ne rien avoir et on pêche. D'autres fois, on est plein de bonnes intentions et on fait chou blanc. Il est temps de relever les casiers. Attiré par les appâts, l'animal emblématique des Rias ne va pas tarder à faire son apparition. Ça, c'est un poulpe des Rias Basses. Question qualité, c'est ce qui se fait de mieux au monde. La pêche au poulpe en Galice, c'est une vieille tradition. Pendant la saison, plus de 500 bateaux traquent ce céphalopode très prisé. Un véritable trésor pour Eusebio et ses collègues. Ça fait partie des meilleurs produits que l'on pêche ici en Galice. Des produits de cette qualité, on en vend partout dans le monde. Tout le monde rêve d'un bon poulpe de Galice, non? Il est parfait. Le poulpe et la Galice, c'est une véritable histoire d'amour. Mais pour comprendre l'attachement des Galiciens à leur animal totem, il faut prendre de la hauteur. À Aperocha, dans l'Ourense, c'est jour de marché. Et sur les étals, la star, c'est encore le poulpe. C'est plus joli cuisiné que cru. Maria Isaora est pulpera, un métier traditionnel en Galice. Depuis le Moyen-Âge, ces artisans vont de village en village pour cuisiner l'animal et exporter un savoir-faire unique, la maîtrise du temps de cuisson. Voyons voir la couleur. Celui-ci est toujours un peu cru. Alors je regarde la couleur, l'odeur, la couleur de l'eau, je regarde si elle bout. Il faut tout le temps le manipuler. On va voir ceux qui sont prêts.
Le secret, c'est de savoir lequel est à point. Regardez celui-ci. On voit qu'il est presque prêt. Presque. Le poulpe n'est pas encore tout à fait prêt, mais son parfum attire déjà les plus gourmands. Deux fois par mois, on vient de toute la région pour déguster celui de Maria. Vous voulez quoi comme morceau? Je vais vous mettre celui-ci, il est beau. Voilà plus de 30 ans que Maria prépare la même recette. Un plat typique de la Galice, le poulpe à ferra. On met un peu de sel. Du piment et de l'huile, rien de plus, de l'huile d'olive. Hein. Aujourd'hui encore, le travail de Pulpera se transmet de génération en génération. Merci. Depuis qu'elle a 15 ans, elle travaille avec son père. Aujourd'hui, c'est Sara, sa petite fille, qui l'accompagne sur les marchés. Je dois rendre 14, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà, 14 euros. Elle est encore petite, mais elle perd sa timidité avec les clients. Elle apprend à manier l'argent. Le plus important, c'est qu'elle se familiarise avec les gens d'ici. Ce savoir-faire, ça ne va pas l'empêcher de faire un autre travail si elle le souhaite. Mais bon, au moins, elle pourra toujours compter là-dessus. J'espère que c'est bon. On va voir. Salut! À Aperocha, les jours de marché, l'histoire se termine toujours de la même façon. C'est super bon! On se retrouve autour d'un bon plat de poulpe et de quelques verres de vin. Et cela devrait durer encore quelques générations. Hola, Luisa. Hola, ¿qué tal? Bonjour, Sophie, comment ça va? Comment ça? Tu vas bien? Todo bien, todo muy bien. Je suis très heureuse de découvrir la Ribera Sacra avec toi, parce que je t'avoue que cet endroit m'intriguait un peu. La Rive Sacrée, tout un programme, il y a des choses merveilleuses à découvrir ici. Oui, il y a des choses incroyables à voir ici. C'est mon paradis. Ouais. Ici? Et si tu pourrais passer une semaine entière? Ce lieu, le Cabo del Mundo, est unique. Avec en plus cette vue, je viens ici aussi souvent que possible, en le faisant découvrir aux autres, tout comme à toi. Salut Evariste, ça va? Sophie, enchantée. Alors on parlait des petits trésors hein, de cette région. Ce vignoble en fait partie des petits trésors. Hein. La vigne pousse d'une façon un peu particulière, j'ai l'impression. Oui, c'est inhabituel par rapport aux autres vignes, car c'est un cépage robuste, l'Alvarinho, qui est traditionnellement cultivé en hauteur pour le préserver de la végétation environnante. Tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'ils font? C'est une chose très facile à comprendre. Ça, c'est la vieille branche, qui a une couleur différente, c'est-à-dire la mère, le fils et le petit-fils. Les petits-fils sont ceux que l'on retire pour ne pas faire d'ombre. Allez, si on allait goûter ce vin. Je suis d'accord. Très bonne idée. On te suit? Vamos. Alors, parle-nous un peu de ton vin. Au nez, c'est rond, un peu fruité, frais,
Il me rappelle un peu les fruits des bois. En bouche, les sensations olfactives sont confortées. Une petite acidité, mais le vin est ample, savoureux et fruité. Et en même temps, il a du corps. Et nous sommes pleinement satisfaits de la récolte. C'est merveilleux. C'est vrai, tout simplement. C'est toujours un plaisir de déguster ce vin avec cette vue magnifique. Bravo pour ton vin. Salut. Allez, on va se balader avec des copains que je vais te présenter. Hola. Hello. Lucy, Kai, Sophie. Enchantée. Enchantée. On parle toutes les langues sur ce bateau. Sophie, regarde la petite chapelle perchée sur la colline. Il y a 60 ans, ça a fait monter le niveau de la rivière quand ils ont construit un barrage. Ils se sont rendus compte que de nombreuses chapelles allaient être inondées. Donc ils les ont démontées et remontées. Chaque chapelle, pierre par pierre, a été reconstruite au sommet d'une colline. C'est quand même incroyable que ce soit un Néo-Zélandais qui m'explique ça ici. Qu'est-ce que vous faites ici ? Je travaille dans l'écotourisme. Ah, ok. Il y a quelques années, tout le monde a déserté la région pour aller vivre dans d'autres pays, comme la France, l'Italie. Plus personne ne s'occupait des maisons. On a acheté deux de ces maisons et on les a restaurées. Ça nous a pris 3 ans. C'est devenu une passion et on en a fait des chambres d'hôtes. C'est très sympa. Magnifique! Super beau. Que tu là, ouais? Ah ouais. Tu m'as dit qu'il y avait beaucoup de légendes ici. Alors, quel type de légende? Ah, la légende de la Sacia. Cette légende dit que les petites sirènes de Galice viennent des profondeurs du Rio Minho. C'est là, au pied de la cascade, qu'elles habiteraient. C'est un lieu magique. Isa, pourquoi tu as quitté un jour cette belle région et surtout, qu'est-ce qui t'a donné envie de revenir ? Tu sais, moi, je suis partie d'ici parce que j'avais très envie de découvrir le monde. Et j'en ai vu des endroits incroyables. J'ai eu la chance de pouvoir profiter de ces endroits magiques. Après toutes mes balades, je me suis rendu compte que chez moi, c'était ici. J'appartiens à cette terre, à la Ribera Sacra. Sentir appartenir à une terre, voilà qui est important. Et de la Ribera Sacra à Cuba, il n'y a qu'un pas que nous allons franchir ensemble en ouvrant les nouveaux carnets de voyage d'un réalisateur voyageur. Il s'agit de Marc Mopti. Il nous entraîne donc à Cuba sur les traces du Che Guevara. Il a souhaité partir à la rencontre de la nouvelle génération qui est toujours très influencée par les préceptes du guide de la révolution cubaine. Alors on le retrouve tout de suite et moi je vous attends ici en Galice car notre voyage est loin d'être terminé. Je suis parti à Cuba pour marcher sur les traces du Che Guevara. J'ai eu envie de rencontrer les enfants et les petits-enfants de cette icône. Les héritiers de la Révolution. Naïvement, j'aimerais qu'ils me disent ce qu'ils pensent, s'ils sont heureux ou impatients, s'ils balayeront tous les clichés et préjugés sur un pays où tout le monde sait lire et écrire, où il est possible de se rendre à l'hôpital sans un sou. J'ai tout entendu. Tout et son contraire. Adios, Oriente.
Direction Occidente. Retour au centre. Dur dur ce jour de la route du rail. L'histoire dans le bon sens. Bonjour le massif de l'Escambray. Aujourd'hui, les champs de canne ont fait place en partie aux cultures de bananiers, de manguiers, de goyaviers. Pendant les récoltes, l'ambiance monte d'un cran. Découvrir cette vallée par le train, c'est se plonger dans l'histoire des prémices de la lutte des classes. Trinidad, une seule manière d'y capter le pouls, se perdre dans les ruelles, chercher son chemin et prendre son temps. Car la plus belle ville du pays se mérite. C'est ici aussi qu'un certain nombre d'habitants n'hésitent pas à se soulever contre Batista, l'homme à vaincre pour les guerrilleros. Recule, Luna, recule. Allez, recule encore. Hola. Pourquoi tu fais reculer ton cheval? Je fais des photos de ce qui se passe dans la ville et de ce que les gens font. Pour moi, c'est très important de passer inaperçu, que les gens ne se rendent pas compte que je les photographie. Une des façons idéales que j'ai trouvées est de me mélanger aux gens sans qu'on me voie en montant à cheval. Comme ici à Trinidad, le cheval est très populaire comme moyen de transport. Ils sentent qu'un cheval passe. Mais ils ne le regardent jamais, jamais ils ne regardent le cavalier. José Luis Muñoz, arrière-petit-fils de propriétaire terrien, est l'homme qui murmure à l'oreille des chevaux. Il nous emmène chez lui, à cheval. La méthode du dressage et chuchotement est presque inconnue à Cuba. D'après ce que je sais, je suis le seul qui utilise cette technique. C'est une méthode extraordinaire parce que tout est basé sur l'utilisation de la psychologie du cheval. Avec cette méthode, on peut apprendre beaucoup de choses. En fait, c'est basé sur le langage corporel. Pour aller en arrière, je me mets face à lui, vous voyez? En arrière. Moi, je n'ai rien fait. Avec cette méthode, j'ai appris à être patient, à attendre, essayer de comprendre ce que l'on veut me dire, essayer de comprendre l'idée. Et cela m'améliore comme être humain. Si je m'énerve, le cheval s'énerve. Pour éviter aussi que l'animal se fâche, il faut avoir un niveau d'adrénaline bas. Être calme. C'est une façon d'éduquer mon esprit et d'apprendre à être cool.
Très bien, ma jolie. Très bien, très bien. Comme ça. C'est bien. La route panoramique est périlleuse vers le Topes de Collantes. 19 km avec un dénivelé de 800 mètres. L'un des nombreux virages a été surnommé la Curva del Muerto, le virage du mort. Le sommet le plus haut est le San Juan, à 1140 mètres, au cœur des opérations de guérilla. Sur L'Homme Nouveau, Guevara écrivait que seule la récompense morale permettait d'accéder au bonheur. Plus bas et plus loin, sur la route de bord de mer des Caraïbes, pour plus de 1000 contre-révolutionnaires anticastristes de l'époque, ce fut la prison ou l'exil. Aujourd'hui, pour les crabes à la recherche de la femelle idéale qui se font prendre sous les pneus, c'est la patrie ou la mort. Le danger, c'est la crevaison fatale. Eduardo, mon chauffeur, tout en continuant à rouler, se sent criminel. Il me reste combien de kilomètres jusqu'au prochain garage ? 8 kilomètres. Mais on ne sait jamais si on doit rouler lentement ou rapidement. Lentement ou ne pas rouler ? J'ai eu envie de retrouver la Havane. Car c'est dans cette ville que Fidel et le Che sont entrés victorieux. Aboutissement de 2 ans de lutte. C'est avec les Havanais et Havanaises qu'il faut respirer la ville ou refaire le socialisme autour d'un vieux rhum. Pour mon dernier soir à la Havane, j'ai 2 adieux à honorer. Le premier, celui de retrouver Raphaël, mon ténor, dans cette boîte gay où il termine ses soirées. Pour quelques euros de plus, m'avait-il dit. Ce lieu est ouvert à tout type de personnes. C'est un endroit unique à Cuba, parce qu'il rompt avec les schémas de la société traditionnelle. On peut voir 2 personnes qui s'embrassent, sans peur du qu'en dira-t-on. Donc les gens sentent qu'ils peuvent être eux-mêmes, et que c'est un endroit très libre. Ils se sentent libres de s'exprimer, et c'est pour ça que c'est un endroit unique à Cuba. Hasta luego, el tenor. Le second est un rendez-vous incontournable. Celui de me retrouver au cabaret Tropicana, la plus fameuse revue de Cuba et l'une des plus célèbres au monde qui a traversé toutes les époques depuis sa création en 1939. Le Tropicana, patrimoine national, aurait-il montré ses paillettes au commandante Ernesto Guevara? Je risque odieusement la question. Vous rigolez? Jamais il avait trop de travail, il prenait à peine le temps de voir sa famille, me rétorque-t-on à voix feutrée. Sur la scène, c'est le délire de couleurs, de strass et de salsa, de gaieté aussi. À 75 euros, c'est encore loin du porte-monnaie cubain de mon chauffeur Eduardo. Et c'est là où je me dis que finalement, la vraie richesse cubaine, ce sont les Cubains eux-mêmes. Le lendemain, comme pour marquer ce voyage, un vieux photographe installé sur les marches du Capitolio me propose pour 7 euros de poser avec le Che. Pourquoi pas? Cela vaut bien le cliché. On va te tirer le portrait avec le Che. Attention, 1, 2, 3 et 4. Avec son antique chambre photographique et une paire de ciseaux, il immortalise les passants et les inconditionnels aux côtés de celui qui incarna l'opposition de Cuba face à la domination américaine.
Une opposition que payent toujours les Cubains au prix fort depuis 52 ans, celui de l'embargo économique. Oui, pas mal. Mais où est le père? Et où est le fils? Il ajoute qu'il connaît un gars du nom de Reinaldo, qu'il n'est pas loin d'ici, qu'il restaure et squatte un vieux théâtre abandonné, qu'il faut voir comment lui se débrouille. J'y vais. Hola, Reinaldo. Bonjour. Vous voulez rentrer? Entrez, entrez. Je ne sais pas encore qu'en pénétrant dans ce Teatro Capitolio Campo Amor de 1923, je mets les pieds dans la métaphore et le paradoxe cubain. Une pensée et une vie libre au milieu des vestiges. J'ai commencé à travailler dans ce théâtre comme aide-menuisier. Mais ils ont fermé la menuiserie et ont emporté tous les équipements. Moi, je suis resté à travailler ici comme gardien de l'endroit. Ça, c'est un réchaud. C'est moi qui l'ai inventé moi-même. Je n'avais rien et je n'avais pas la possibilité d'acheter une cuisinière. Donc j'ai pensé à faire ça et je l'ai fait. Tout le monde me voit laver, étendre mon linge, apparaître au balcon. J'aimerais voir ce théâtre beau, resplendissant. Qu'il le reconstruise, qu'il le fasse encore plus beau, qu'il ne lui enlève rien, qu'il lui laisse la même âme, les mêmes balcons, comme il est. Mais le voir beau, élégant. Pour moi, le Che n'est pas mort. Parce que le peuple de Cuba, c'est le Che. Le monde entier, c'est le Che. Dans la rue, il y a beaucoup de gens qui ont un tatouage de lui. Du Che. Parce qu'ils l'aiment, parce qu'ils le chérissent. Mais pas lui seulement. Ils aiment Fidel, Raoul et tous les Cubains. Nous les portons en nous. Nous devons les chérir. Parce que grâce à eux, on a la vie qu'on a. On a des hôpitaux, des cliniques, des écoles. Ils ont donné leur vie pour ça, pour que le peuple de Cuba soit libre. Cuba libre ou le sens du sacrifice? Serait-ce là l'ultime valeur des Cubains? Dans ce pays où, dit-on, il y a autant de musiciens que d'arbres, j'aurais donc rencontré des Cubains heureux, artistes, poètes, paysans, intellos ou allumés, des regards sans parole et des paroles qui en disent plus. Ceux pour qui la langue de bois avait un sens et les autres pour qui elle n'en avait pas. Ils se sont montrés courageux, cultivés, pleins d'humour et fiers d'être cubains. Alors est-ce là le bonheur sur cette île? Le mythe effacé, la réalité est encore plus belle, n'est-ce pas? Était-ce un rêve éveillé? Bonjour Sophie, comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Alors, tu veux m'aider? Oui, oui. Tu es un peu en retard, mais allez, on y va. Je suis un peu en retard, oulala, pardon. On va s'occuper des pommes de terre.
Tu attrapes la bêche plus bas, comme ça, Sophie, comme ça. Ah oui, comme ça. Et tu tires vers toi. Il ne faut pas que j'abîme mes pommes de terre. Tu peux les ramasser. Tu travailles toute seule ici ? En ce moment, mon mari est sans emploi, donc il m'aide à la ferme. Nous ne travaillons que tous les deux, nous n'avons pas d'employés. C'est une petite exploitation. On trouve nos marques petit à petit. Tu me disais que c'était une petite exploitation, mais qu'est-ce que tu cultives ici, à part les pommes de terre ? On fait seulement des produits de saison. Donc en été, nous avons des tomates, des poivrons, des haricots. Nos produits sont super frais parce qu'ils vont directement du champ à ta cuisine. Maintenant, Sophie, il faudrait approcher le seau. Allez, on va faire la tortilla. Je suis pour. Tes parents avant toi, ils étaient agriculteurs. Qu'est-ce qu'ils faisaient exactement ici ? Mes parents ont fait de l'élevage toute leur vie. Moi, l'élevage, ça ne me plaît pas trop. Du coup, on a décidé ensemble de faire pousser des légumes. On vend nos produits, c'est ça qui me plaît le plus. Comme ça, j'ai pu être un peu à la maison. Et puis... Tu peux allier la vie de famille et puis le travail. Oui, voilà. Tiens, tu vois, cette construction est vraiment typique d'ici. On appelle ça des oreos. C'est là que l'on stocke les grains de maïs. Et ce petit muret tout autour, on appelle ça un antirat. Parce que grâce à ça, les rats ne peuvent pas grimper. Ah oui, tu fais pas des grosses tranches, il faut que tu fasses un tout petit morceau. Oui, il faut que ce soit des tranches fines. Ok. À quelle occasion, en général, on mange la tortilla ? La tortilla est un plat courant. En fait, c'est populaire car si quelqu'un passe à l'improviste et que tu n'as rien sous la main, avec quelques pommes de terre et des œufs, tu as une tortilla. Combien elle a dit, maman, qu'il fallait en prendre ? 5. 5, ok, c'est bon, t'as tout ce qu'il faut. Bon, maintenant, il faut les battre. On renverse. Et là, tu vas la laisser cuire combien de temps, alors ? Il faut faire attention de ne pas la brûler. On la remue beaucoup et quand les œufs sont pris, on peut la retirer. Ne te brûle pas. Eh ben, oh, magnifique. Alors, Andrés, après une bonne journée de travail, la tortilla, qu'est-ce que t'en penses, hein ? 10 sur 10, très bonne. C'est vrai que tu nous mets un 10 ? Ah ben voilà, tu vois, ça veut dire qu'elle est bonne. Toi, tu as pris la relève de tes parents. Hein. Tu aimerais que demain, tes filles fassent pareil ? Si elles veulent faire autre chose, c'est elles qui décideront. La chose la plus importante que je veux leur transmettre, c'est qu'elles soient de belles personnes. Parce que ce qu'elles vont semer maintenant, elles le récolteront plus tard. Digestive. En tout cas, je voulais te dire que ta tortilla, elle était délicieuse. Je crois que c'est une des meilleures tortillas que j'ai jamais mangées de ma vie. Vraiment ? On recommence quand tu veux. Pourquoi t'aimes particulièrement, toi, venir te balader ici ? J'aime venir car c'est tranquille ici. Et entendre le son de l'eau me plaît et me détend beaucoup. Pour moi, c'est le plus important. Être en harmonie avec la nature et je me sens bien. Est-ce qu'il y aurait un mot en galicien pour dire un grand merci pour ton accueil ? Moitas veces. Moitas veces. Oui, c'est pour dire que l'on aimerait recommencer encore plein de fois. Bah, écoute, merci. Muchas gracias. Muchas veces. A vosotros.
J'étais ravie. Moi aussi, moi aussi. En Galice, on dit que le patrimoine est toujours vivant. Un peu plus par l'avant. Juan est tailleur de pierre. Et aujourd'hui, il s'attaque à un monument. Ça, c'est un oreo. Avant, on s'en servait pour conserver le maïs. Avec les calvaires, ça fait partie du patrimoine de la Galice. Allez, on monte. Cela fait des mois que Juan restaure cet antique séchoir à grains. Un travail méticuleux, à la main, dans la lignée des tailleurs de pierre d'antan. 22. Et là, on doit avoir 21, non? Ou 21 et demi, ce serait mieux. C'est une fierté de pouvoir travailler sur la pierre, surtout lorsqu'il s'agit de travaux artisanaux comme ceci. La pierre en Galice, c'est notre culture, c'est sacré. La Galice est une terre au cœur de pierre. La région repose sur un gisement de granit. Et partout, la roche est omniprésente. Une richesse qui attire quelques aventuriers amateurs de vieilles pierres. Regardez, j'ai créé deux faces qui ont l'air naturelles avec cette pierre que j'ai trouvée sur le sol. Neil est anglais. Il y a 2 ans, il a racheté ce village à l'abandon. Aujourd'hui, il le restaure, pierre après pierre. Un travail de titan pour sauver ce patrimoine en danger. Voilà, j'ai sélectionné une pierre qui devrait faire l'affaire. J'en prépare le dessus et je fais le niveau. Ça ressemblera aux constructions d'antan. Lorsque ce sera fini, c'est exactement ce que je recherche. Je sais que tout ça ne va pas s'écrouler dans 20 ans. Cette construction sera là pour longtemps. Elle fera partie du paysage. Je suis plutôt fier de ce que je fais. Je sais aussi que je suis fou, mais ça, c'est une autre histoire. Grâce à Neil, les vieilles pierres peuvent reprendre vie. L'anglais est loin d'être seul dans son combat. Dans la région de Pontevedra, une armée de petites mains prépare l'avenir. On prend le marteau par le haut, à cette hauteur. Comme ça, on peut le diriger. Jamais dans ce sens, mais dans celui-là. Sinon, ça casse. Et on y va. On enlève de la pierre. Maîtriser les instruments, lire les subtilités de la roche. Depuis 50 ans, l'école des tailleurs de pierre de Pontevedra forme ceux qui feront vivre demain la roche de Galice. Ce qu'on fait, c'est former l'élève à dominer l'instrument, pour qu'il soit capable de faire ce qu'il veut avec la pierre. Parce que sinon, c'est la pierre qui fait ce qu'elle veut de l'élève. Transmettre son savoir-faire, je crois qu'il n'existe rien de plus beau. Il faut que ce métier perdure, qu'il ne se perde jamais. En Galice, aujourd'hui encore, la pierre est bien vivante. Hola Marta. Hola Sophie. Ça va? Ça va bien. Et toi? Je t'attendais pour t'emmener sur l'île de la Roussa. Oui. C'est une toute petite île, on va la visiter en kayak. Okay. Et comme ça, tu pourras découvrir ses plages, tu pourras découvrir les pêcheurs qui y travaillent, ses paysages. Dis donc, quel programme! T'es prête? On va à l'eau? Oui. Et ben, t'as tout? Voilà ton gilet de sauvetage. Les kayaks sont sortis, les rames aussi. C'est bien. Ok, très bien. Alors Martha,
on est en rythme là sur notre kayak, un moyen idéal pour découvrir l'île d'Arosa. C'est vraiment un endroit cher à ton cœur. J'ai vécu ici jusqu'à l'âge de 8 ans. À l'époque, il n'y avait pas de pont pour accéder à la péninsule. On devait traverser en bateau ou en kayak. C'était le seul moyen de transport. Alors Martha, qu'est-ce qu'ils pêchent exactement ici ? Avec ces grandes épuisettes, ils draguent des palourdes. Ils cherchent surtout celles qui se trouvent au fond de l'eau, car elles y sont plus grosses et surtout plus charnues. Vous pouvez nous montrer ce que vous avez pêché ? Mais j'ai rencontré les mariscadoras qui m'ont montré leur technique de pêche. Là, c'est similaire, mais on utilise d'autres techniques. C'est différent. Cela demande plus d'efforts. Le fait que le bateau tangue rend la tâche plus délicate. Pour les mariscadoras, c'est dur, mais là, c'est encore pire. Bon, bah salut, je les garde. Salut. Muchas gracias. C'était très chouette, ah ouais, très bien. On est bien là, c'est joli comme tout ici. Je voulais t'emmener ici parce que pour moi, c'est l'un des coins les plus jolis de l'estuaire de la Rosa. Pour que tu y découvres sa faune, sa flore et aussi ses vestiges archéologiques. D'ailleurs, tu peux apercevoir une tombe là-bas. Nos ancêtres galiciens pensaient que l'île était rattachée à la nôtre. Ils venaient donc ici enterrer leurs morts. Il y a d'autres choses à voir par là. Voici le dolmen qui est protégé de la marée par ce mur. C'est une ancienne chambre funéraire. On y aurait enterré les morts. On raconte qu'on les y enterrait avec des bijoux et des offrandes pour le voyage dans le-delà. Voilà, j'espère que ce voyage vous aura plu. C'est malheureusement déjà terminé. C'est une Galice secrète, authentique et très accueillante que j'ai eu envie de vous faire découvrir. À la Corogne, Léa me disait que lorsqu'on se faisait des amis ici, on se les faisait pour la vie. C'est une terre où on a envie d'avoir des amis. Muchas gracias, Marta. Merci à toi. Tu peux revenir quand tu veux pour profiter un peu plus de notre paradis. C'est un plaisir de te rencontrer. J'espère que ce voyage vous aura plu. Je vous dis à très bientôt et comme d'habitude, faites de beaux voyages. Hasta luego, suerte.